Bonjour, bonsoir, comment nous y est? C'est Dr. Paul, Dr. Cédric Louis. Et je dis un sujet que nous portons pour vous, c'est ulcère d'estomac. Donc, ulcère, c'est une lésion qui est formée dans la muqueuse gastrique. Là. Donc, la muqueuse gastrique, là, c'est une couche de membrane qui a une glande gastrique là-dedans qui permet l'absorption aliments. Donc, nous avons dit, c'est un malin qui formé dans la muqueuse gastrique. Donc, l'estomac, il a une forme courte. Côté que, il est divisé en trois parties. Nous avons une première partie en l'air, qui est le fondus, partie mi-temps qui est le corps, et partie finale qui est l'entre. Donc, orifice entre l'estomac, il va être le cardiaque, et orifice sorti, qui va déboucher sous les deux noms, il va être le pylore. Donc, dans la partie fondus, il y a des cellules. Il y a des cellules pariétales qui vont sécréter acide chlorhydrique. Il y a des cellules principales qui vont sécréter pepsinogène qui appelle pepsine. Et il y a entéochroma fine light qui vont sécréter histamine. Dans la partie en bas, il y a des cellules G qui sécrètent gastrine. Et il y a des cellules D qui sécrètent somatostatine qui sont un régulateur de acide chlorhydrique là. Qui j'en lésion ça fait occasionner non muqueuse gastrique là. Généralement là nous allons manger avant que nous mangeons seulement sans manger que nous prend ou bien ouais nous ouais manger hein, lui fait une stimulation sur un nerf nous gain qui est nerf vague. Donc ça nerf vague ça va faire lui-même, il va libérer acétylcholine. Les libérer acétylcholine ça il va avoir trois fonctions. Acétylcholine va stimuler les cellules pariétales et les cellules pariétales va libérer plus acide chlorhydrique et il va stimuler les cellules entéochroma fine light qui va libérer histamine et histamine ça va encore stimuler les cellules pariétales qui va faire libérer plus acide chlorhydrique et il va diminuer les cellules D. Pas bien de tout que cellule D qui ça le fait, c'est un régulateur pour acide chlorhydrique. Et par le fait que cellule D vient diminuer, et par le fait plus production de acide chlorhydrique. Et bien, c'est comme ça estomac là, quand on prépare pour qu'on recevoir aliments que on va manger. Quand il y a fin de manger, estomac là rempli avec aliments. Et bien, pH estomac, son pH qui est très acide. Qui varie entre 1 à 2. Cela veut dire que il y a une solution destructive qui est prête pour détruire la muqueuse gastrique. Là. Mais l'estomac a un mécanisme de protection. Ça que nous parlons, il y a une barrière de muqueuse gastrique. Et barrière, ça l'a fait même la protéger la muqueuse gastrique là, pour solution acide ça pas détruire. Cellules gastriques là ou ne pas détruire épithélium gastrique là. En dépit de toute protection sa muqueuse gastrique là gagné, il y a des cellules régénératives. Cela veut dire que même que quelques cellules t'a détruit, mais il y a qu'à régénérer rapide par moyen de microcirculation. Ça veut dire que il y a un pile sang qui rentre dans eux-mêmes très rapide qui permet de régénérer. Mais tout processus ça yo yo fait par une substance qui relait prostaglandine. Il y a plusieurs causes qui ca produit ulcère d'estomac. Nous gagne les moun nan boit en pile alcool, les moun nan boit en pile produit gazeux ou bien les moun nan stressé, mais il y a deux grandes causes qui primordiales qui c'est en bactérie qui relait H. pylori ou bien Helicobacter pylori et AINES, ça que nous parlons de anti-inflammatoire non stéroïdien. Infection par H. pylori, le plus souvent, est occasionné par un manque d'hygiène. Soit que l'aliment que vous ingérez n'est pas trop propre, soit que l'eau que vous boivez n'est pas trop propre. Mais qui ça H. pylori ça va le faire? H. pylori, il produit uréase. Donc, uréase en lui-même, il a une caractéristique pour neutraliser l'acide estomac. Eh bien, il va traverser la barrière muqueuse gastrique
côté que la chita dans partie entre dans l'estomac, dernière partie que des estomac gagnant, et il va détruire toute cellule D. Par le fait que il détruit cellule D, pour avoir une production en excessive de acide chlorhydrique. Et bien l'estomac de tout acide chlorhydrique ça, il va l'obliger dégager acide chlorhydrique ça dans partie duodénale, c'est là que nous va parler de ulcère duodénale. Et même bactéries ça qui dans partie entre là, il va marcher. La obligé migrer, la monter dans partie en l'air qui c'est partie fondus là et bien il va détruire cellules pariétales. Et l'elle détruit cellules pariétales pour avoir une diminution dans production acide chlorhydrique là, et bien c'est là tout nous va joindre une ulcère d'estomac. L'autre grande cause que nous te parlé hein, c'est haïnes. Haïnes qui plus commun hein, c'est ibuprofène avec aspirine. Généralement, nous allons utiliser pour nous calmer en douleur, pour nous descendre en fièvre. Donc, qui ça a une action à faire? Vous allez bloquer l'enzyme qui produit prostaglandine. Et par le fait que vous avez une absence, une diminution de prostaglandine, et bien, vous n'avez pas une protection de muqueuse gastrique, là, et bien, solution acide là, vin traverser muqueuse gastrique là et puis nous vin gagner ulcère d'estomac. Symptôme que maladie ça présenté généralement bon douleur épigastrique ça que nous on dit en bas que m'a fait mal là et di kon ba ou yon sensation de brûlure côté que au centre l'estomac quoi brûler et pour diagnostiquer maladie ça li très simple si moun nan gen moins que 45 ans et li pas présenté un syndrome dyspeptique, ça veut dire que il pas anémie, il pas vomissant ou qu'a juste fait un test non évasif à H. pylori. Mais si mon ça a plus que 45 ans et il présente syndrome dyspeptique là, côté que il y a anémie, la vomissant, même qu'elle mange, la perd du poids et bien jusqu'à faire une endoscopie digestive pour lui. Pour traitement maladie ça, généralement il faut utiliser inhibiteur de bombe de proton qui c'est omeprazole associé avec amoxicilline et clarithromycine pendant 7 jours puis on peut éliminer bactéries ça qui c'est H pylori et on font continuité de 4 à 8 semaines de utiliser bombe de proton toujours jusqu'à qu'à éliminer ulcère estomac. Donc c'est tout moyen ça de utiliser puis on peut manier ulcère estomac. Nous disons grand merci à tout le monde qui a regardé vidéo ça, c'était docteur Cédric Louis.